sont faites auprès du roi n'est pas rare. Ainsi, Jeanne obtient de voir Charles VII. La première entrevue se fait en petit comité. Charles VII n'est d'abord pas convaincu. Elle l'accompagne alors à Poitiers, où son examen va se poursuivre. Tout d'abord, des matrones confirment sa virginité. L'enjeu est de savoir si elle a eu commerce avec le démon et si c'est une sorcière. Puis, Jeanne est confrontée à des théologiens qui vérifient qu'elle n'est pas hérétique. Enfin, bien que les livres sacrés interdisent à une femme de s'habiller en homme et de porter les cheveux courts et sans coiffe, les théologiens finissent par accepter de faire une exception pour Jeanne. Aux alentours de Pâques, le roi présente Jeanne officiellement à ses officiers à Chinon. Elle se rend ensuite à Tours pour y recevoir armure et chevaux. Elle se fait fabriquer un étendard qui la suivra dans toutes ses campagnes et choisit de porter l'épée qu'elle fait chercher au sanctuaire de Sainte-Catherine de Fierbois. Jean, bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois, qui commande les forces royales, une sorte de